Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous rencontrons une mairesse, une maire ou une mairesse, mais les deux sont bons, de Saint-Pierre-de-Bretonne, Madame Francine Drouin. Alors, Madame Drouin, je vous laisse vous présenter. Merci, merci beaucoup, Monsieur Hamel. Oui, moi, c'est Francine Drouin, mairesse. Je suis mairesse de Saint-Pierre-de-Bretonne. J'ai fait un mandat de 1 an, et là, j'ai été réélue par acclamation pour un mandat de 4 ans. J'avais remplacé quelqu'un qui avait démissionné. Fait que moi, j'étais conseillère avant à la municipalité de Saint-Pierre-de-Bretonne. Et quand j'ai rentré comme conseillère, c'était quelqu'un qui venait de quitter. Puis moi, ben j'avais acheté une maison à Saint-Pierre-de-Bretonne. Et quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, il y avait un siège qui se libérait, j'avais déjà l'expérience de conseillère. J'avais été conseillère à East-Bretonne pendant 2 mandats, 8 ans. Fait que je savais de quoi je m'embarquais. La vie politique, pour vous, ça n'a pas de secret. Ça n'a pas de secret. Puis quand j'ai vu qu'il y avait un poste qui se libérait de conseillère, ben j'ai postulé, j'ai dit, bon, ça m'intéresse. Et j'ai rentré. Fait que là, j'ai fini le mandat. Après ça, j'ai été élue par acclamation comme conseillère pour 4 ans. Et ma dernière année, ben c'est ça, Mme Laroche avait démissionné. Et M. Dave Lachance, qui l'a remplacé, il a fallu qu'il démissionne aussi pour des raisons personnelles. Et là, j'ai dit, c'est à mon tour. Et il dit, là, j'embarque dedans. Fait que vous avez bénéficié d'un an de pratique. Un an de pratique, c'est important parce que là, je pouvais savoir si j'étais dans le bon siège, comme on dit. Parce que conseillère, c'est pas la même chose. Là. Non, pas du tout. Là, le siège est là en avant, mais quand on est autour de la table, c'est une autre affaire. On touche à tout. Il n'y a pas une journée qui est pareille à Saint-Pierre-de-Bretonne. Hein? Dans toute la mairie, peu importe les villes, il n'y a pas une journée pareille. Tu prends tes appels, tu fais tes affaires, puis moi, ce que j'aime, c'est la communication avec les clients, les gens. Les citoyens. Ouais. C'est pas les clients, là, je suis rendue à la banque encore. Mais les citoyens, puis c'est important. Puis l'écoute, parce qu'à un moment donné, je me suis aperçue que Saint-Pierre-de-Bretonne, quand j'ai rentré, il y avait des personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées, mais le monde qui était autour de moi, il voulait tout le temps m'aider. Ce monde-là, là, ça a été un plus pour moi. Mais là, j'ai dit, Colin, c'est le fun. Il y a beaucoup d'activités, puis les personnes âgées sont prêtes à embarquer. C'est les lions, peu importe, là. Féerie des couleurs, peu importe. J'étais contente. Et à un moment donné, bien, nos personnes âgées se sont parties vers les résidences de Thetford. Puis c'est normal, là, ils vendent leur maison. Puis depuis quelques années, le bénévolat est dur. Très dur. Mais j'ai la chance d'avoir encore la chance d'avoir des gens autour de moi, des jeunes qui veulent repartir Saint-Pierre-de-Bretonne. Comme je regarde là, maintenant qu'est-ce qui est arrivé, nos personnes âgées sont parties. Il y a beaucoup de jeunes familles qui arrivent. Puis, à un moment donné, quand j'ai rentré, bien, l'année passée, c'était la pandémie. Puis la pandémie, là, les gens ont tous resté chez eux. Puis, à un moment donné, le monde me disait, « Francine, il va falloir faire quelque chose, tu sais. C'est vrai, on ne pouvait pas se voir. » Mais j'avais un sentier pédestre à Saint-Pierre-de-Bretonne, puis le monde marchait. Puis il dit, « Faudrait avoir de quoi. » Fait qu'à un moment donné, j'ai fait un projet. Bien, j'ai demandé le projet à la MRC, qui est le Fonds Région Ruralité. Oui. Là, j'étais allée chercher, j'ai monté le projet avec mon directeur général et un autre citoyen qui avait fait le sentier. Puis la première année, j'ai envoyé ça, on a été refusés parce que les demandes étaient tellement... Il y avait tellement eu de demandes que ça a passé. Il n'y avait plus de fonds. C'est ça, ils ont sélectionné, puis c'est correct. Ce que j'ai fait... Ce que j'ai vu repasser, volet 1 était fini, volet 2 a recommencé. Bien là, j'ai dit, moi, je ne lâche pas dans ce temps-là. Je voulais un abri dans le sentier, un petit abri pour les gens, pour qu'ils aillent se reposer, prendre du café. Peu importe, des fois, tu es fatigué, il faut t'arrêter, là, tu sais. Puis, il n'est pas tellement grand, mais c'est important. Fait que là, j'ai eu ma réponse que j'ai été acceptée pour mon projet d'abri de sentier. Bon. Fait que c'est un plus. Vous avez combien de population, Saint-Pierre? Bien, 900 citoyens. Des gens originaires de là ou il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui s'installent? Là, j'ai beaucoup de gens de l'extérieur qui s'installent que je connais même pas des fois. T'sais, ça arrive vite, les maisons se vendent vite. À un moment donné, ça bougeait tellement que je n'en croyais pas mes yeux. Ouais, parce que avec
Les années, Saint-Pierre avait perdu beaucoup. Ils ont Oui. perdu la caisse, le restaurant avait fermé, la Bien, quincaillerie avait la fermé. coop a fermé. Quand j'ai rentré, la coop, elle a fermé. Puis même, je me demande si vous avez encore le culte, la messe. Oui. Ça, Et vous l'avez encore? oui, on l'a deux fois, deuxième dimanche. Puis après, il y a eu la coop qui s'est formée. La coop, la CSM, là, qui Ouais. appelle. Puis là, ben, il y a plein, la vie a repris et ça continue. Et ça continue parce que on avait une résidence aussi à Saint-Pierre-de-Bretonne. Les résidents, c'était des personnes âgées, ben ils quittaient aussi parce que il y avait moins d'activités, puis ils Mais allaient. ça, c'est une résidence qui appartenait pas à la Ça, municipalité. c'était le presbytère. C'est ça? C'est l'ancien presbytère de C'était une Saint-Pierre-de-Bretonne. coop, ça aussi, hein, Non? ça? Non? Non? Ben il y avait des gens qui siégeaient là-dessus, mais non, c'était pas. Ben moi, ce que je sais là, puis c'était une résidence personnes âgées. Le curé reste en haut. Il avait son logement. Puis, à un moment donné, ben, ce qui est arrivé, tout le monde a parti parce que Trop ça s'est vieux, vidé. peut-être? C'est ça, puis il n'y avait pas. Puis, à un moment Puis les donné, services sont plus loin les aussi. services, puis les gens étaient devenus moins autonomes, puis graduellement. Et là, ça a fermé. Fait que là, on s'est retrouvé avec une résidence vide. Mais c'est la municipalité qui était propriétaire? Non, c'était. Non, parce que ça se trouve un peu comme la fabrique, puis il y avait. Tu sais, c'était là-dedans, c'est l'ancien presbytère, mais ils ont fait comme un genre avec le gouvernement, ils avaient mis de l'argent dedans OK. pour Mais ça. quand ça a été vendu, c'est la fabrique qui l'a vendu. C'était vraiment, ben c'est pas la fabrique qui l'a vendu, c'est un comité, ça a été au gouvernement, parce que le gouvernement avait pris ça pour nous aider à garder nos personnes âgées. Fait que là, la résidence, c'était à vendre. Ça ne bougeait pas. Ça n'a pas bougé. Il y a Ça deux. faisait longtemps? 3 ans, certains, certains. Puis là, on disait, il avait mis ça Et de. l'entretien se faisait par... Ben, l'entretien se faisait. Je pense qu'il venait quelqu'un tout le temps parce que du comité qui venait voir s'il n'y avait pas rien qui. C'est ça. Chauffage. Puis à un moment donné, il y a eu deux gens d'affaires de Saint-Pierre-de-Bretonne, deux jeunes, qui ont dit, ben, on achète la résidence. Et eux autres, ils ont fait des logements là-dedans. Ils ont fait 9 logements. Puis ils finissaient même pas les logements qui étaient loués. C'était épouvantable. Ça a été un investissement quand même assez majeur pour Saint-Pierre-de-Bretagne. Oui, on est content parce que où est-ce qu'elle se situe? Ben, l'église. Puis ça, c'est le presbytère. Ben, ce qu'on appelait le presbytère qui est rendu aujourd'hui une maison à logement. Puis à côté, il y a le restaurant, pas loin, l'épicerie. Fait que la personne. Qui a de la misère à marcher, tu sais, puis elle veut pas avoir des services tout près, allez-y. C'est ça qui est le fun. Ça, c'est des logements, par contre, pour des personnes autonomes. Exact. Des 3,5 puis des 4,5? Oui, puis j'ai. Oui, c'est ça, parce qu'il y a 9 logements là-dedans. Là. Il y a des petits, puis il y a des plus grands un petit peu. Puis il y a des jeunes familles qui arrivent, Ah, puis. qui vont habiter dans ce Ben, bloc-là, ouais. c'est ça qui est le fun. Je trouve assez qu'il y a un engouement, puis. Je trouve que c'est merveilleux. Là, j'ai dit, ça commence à reprendre. Ça, j'aimerais tellement que la coop reprendrait, par exemple. Ça nous manque beaucoup, ça. Mais elle existe La encore. coop est fermée. Ah, OK. Notre quincaillerie est fermée. Elle a fermé parce que ça a l'air que c'était pas assez rentable. Ben, c'est un petit milieu, hein. Oui. Puis il y en Là, avait. si on revient à votre nouveau rôle de Oui, maire, oui. avez-vous des projets au point de vue des loisirs ou Oui, on a des projets. des commerces? Vous me parlez de la quincaillerie, Ben, que vous aimeriez que ça reparte? j'aimerais ça. J'ai assisté dans les premières réunions pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Fait que j'ai dit, si vous avez des projets, moi, on va vous appuyer là-dedans. Et quand il y a des portes, mais c'est pas facile non Non, hein? plus. Pas facile. Mais moi, je baisse pas les bras. Parce que la résidence, le monde avait dit, oh, c'est terminé. Mais non, ça arrivait pouf comme ça. Moi, je pense qu'il faut jamais baisser les bras. Puis des choses comme ça, ben, les loisirs, on est une petite municipalité, on entretient nos patinoires, on a deux patinoires. Ouais. Avez-vous beaucoup d'enfants, Saint-Pierre? Ben, à l'école, là, c'est 80, 90, puis ça a augmenté dernièrement parce qu'on a de plus en plus. C'est-tu encore en alternance avec Oui, Saint-Jacques-de-Lydz? exactement. Alors, première, deuxième, troisième, une année,
Puis C'est l'autre ça. année, 4, 5, C'est 6. ça. Ça va bien. Ça, c'est merveilleux. Là. Ce que je voudrais, de remettre des jeux un peu. Il y a des jeux qu'on a enlevés parce qu'ils étaient brisés. Mais ce que j'aimerais aussi l'été, quand on fait le camp de jour, là, les jeunes s'amusent, mais il fait chaud. J'ai rien pour les arroser. J'aimerais savoir quelque chose, mais ça, je vais faire des démarches. Des jeux d'eau, mais Ben, c'est des jeux d'eau. dispendieux, j'entends. Ben, j'irai pas d'un gros jeu d'eau, mais des fois, des petites choses, là. Ben ordinaire, puis ça fait pareil. Est-ce que vous avez égout à Queduc, Oui, on a Saint-Pierre? égout à Caduc, mais qu'est-ce qui s'en vient, là? Faut que je le fasse avec la tech qui s'en vient avec Broughton Station. Il faut que je le Ah, fasse. eux autres, ils l'ont Ils pas, l'ont pas. mais ça fait partie de Saint-Pierre-de-Breton Oui, aussi. on a fait Saint-Pierre, mais j'étais pas dans ce mandat-là. Quand j'arrivais, c'était terminé. Mais là, il va falloir que je fasse. On a eu l'argent de la tech. Il va falloir que je le fasse pour Broughton Station, les eaux usées et les eaux potables. Mais là, la firme d'ingénieurs, on l'a commencé, qui regarde ça, pour nous donner un avenue de qu'est-ce qu'on va dire aux Oui, citoyens aussi, là. ben, il y a des recherches d'eau, c'est quand même assez. Ouais, c'est. Puis, tu sais, il y a l'eau, mais il y a aussi, pas juste ça, il faut que les citoyens soient capables ici. Il n'y en a pas beaucoup, là, de citoyens à Broughton, là. Non, vous avez quoi, une vingtaine de résidences Une maximum? trentaine, Une trentaine. trentaine? T'sais, fait que si, comme les eaux usées, on ne peut pas faire le même système qu'on a à Saint-Pierre, là. C'est impensable, là. Mais, Mais vous pouvez faire un système avec des caissons. ben des choses comme ça. Ouais. Fait que l'ingénieur, il va nous proposer des avenues pour dire, ben ça, on peut proposer ça comme ça. Après ça, on va rencontrer, les citoyens, on va faire une consultation. Ils en penseront, qu'est-ce qu'ils veulent payer pour pas que. Mais on n'aura pas le choix, on est rendu là. Oui. Puis c'est un endroit qui ont besoin quand Ben même de oui, services aussi. ben oui, ben oui, Broughton, station, il y a une petite patinoire, c'est la route qui nous sépare, Oui. mais ils sont là pareil avec nous, Puis là. la Pierre Savon, ça ne reprendra pas, ça? Non, non, moi ce que j'ai entendu, là, C'est fermé. c'est fermé. Mais j'ai eu un autre projet, j'ai eu du gouvernement de Mme Lecour un montant pour les infrastructures à Saint-Pierre-de-Breton. Puis moi, j'avais besoin pour faire un agrandissement pour le garage municipal. OK. Et elle nous a donné une somme de 75 000 $. Oui, il y a eu plusieurs Hein? municipalités qui ont eu ça. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, Ben, mais voyons donc. vous avez beaucoup de pain sur la planche pour Beaucoup, les quatre beaucoup, prochaines années. beaucoup. Alors, je vous souhaite que ça aille bien. Puis si ça se met à bien aller, je vais vous réinviter pour qu'on en parle. Ben, ça va me faire plaisir, Monsieur Hamel. Alors, Merci beaucoup. merci. Mesdames, messieurs, je vous reviens dans quelques minutes. Merci de votre écoute. Mesdames, messieurs, nous sommes de retour. Notre invité en deuxième partie, c'est Monsieur David Poulain. Probablement que vous connaissez un peu ceux qui regardent régulièrement la télé communautaire et qui jouent au bingo. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je laisse se présenter. Monsieur Poulain. Merci, Ghislain, de l'invitation. Ben, moi, je suis président d'Héritage Centre-Ville. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, bien sûr. Je fais plein d'autres choses, mais ça, il faut garder un peu de mystère. Hein. Donc, pour l'instant, on va parler d'héritage. Ouais. Président d'Héritage Centre-Ville, vous lancez pour la période du 1er au 28 février une campagne d'achat local qui s'intitule En plein cœur de Thetford 2.0. Pourquoi 2.0? Ah, ben, en fait, c'est pas la grosseur de la mine comme nos crayons à mine. C'est parce que c'est la version 2.0. Donc, la deuxième année de suite qu'on se lance dans cette campagne-là. L'année dernière, il y a plusieurs personnes probablement qui s'en rappellent. Donc, En plein cœur de Thetford, qui était le nom qu'on avait choisi là, pour s'identifier. L'année dernière, ben, on avait réussi à amasser 25 000 $ donc en carte cadeau, en certificat cadeau, qui avait été acheté par les citoyens de la région. Puis Desjardins, l'année passée, dans cette campagne-là, bonifiait, donc c'est-à-dire remettait un 25 000 $ dans les organismes communautaires qui avaient été identifiés dans la campagne. Donc, on a pu distribuer 5 000 $ à cinq organismes communautaires de la région l'année dernière. Cette année, la campagne est différente. On n'a pas cette bonification-là. Ce n'est pas une levée de fonds pour un organisme, mais c'est vraiment pour stimuler vraiment l'activité économique dans le centre-ville.
OK. Ça va profiter aux marchands de centre-ville? Oui, ben en fait, ça va profiter à tout le monde. C'est une approche gagnant-gagnant, là, donc qu'on a avec cette campagne-là. C'est-à-dire que les commerçants, oui, qui se sont inscrits dans cette campagne-là, vont vendre, donc pas eux-mêmes, mais via la plateforme de la ruche. Donc les gens vont acheter des certificats cadeaux pour les commerçants de leur choix, donc dans la liste de ceux qui sont inscrits. Et puis en contrepartie, ben, le citoyen ou la citoyenne qui achète pour 20 $ va recevoir un certificat cadeau de 30 $. Donc, nos partenaires bonifient cette offre-là. Donc, ça OK. coûte rien aux commerçants, puis ça n'engage à rien autre que de remettre les certificats cadeaux en personne à la fin de la campagne. Ça veut dire que moi, j'achète un certificat cadeau. Il y en a 500, je pense. Oui, exactement. Que je paye 20 $ avec ma carte de crédit, j'ai pas le choix. Oui. Et puis, je reçois un certificat cadeau pour aller dans n'importe quel marchand qui est inscrit pour acheter pour 50 $. Pour 30 $. Donc, on bonifie de 50 %. Donc, à chaque tranche de OK. 20, on augmente ça de OK, 10 $. mon 20 $ me donne, Il vaut 30. il vaut 30. Exact. Donc toi, tu en achètes pour 40, ben, tu vas recevoir 60 $ de certificat cadeau. Ah, parce que je peux acheter plus qu'un certificat? Ah, ben oui, ça, c'est sûr. C'est ce qui fait qu'on veut le mousser, puis on veut rappeler aux gens de ne pas attendre à la fin du mois de février. L'année dernière, sur la campagne d'un mois, après 12 jours, donc on avait déjà épuisé toute la quantité de certificats cadeaux. Il faut savoir que cette bonification-là, donc le 5 000 $ là, en nanane, comme on l'appelle un peu, Ouais. donc en incitatif, ben, il provient de nos partenaires qu'on est allé chercher. Donc la ville de Thetford, la SADC et puis évidemment Desjardins, donc qui contribuent à ça aussi. Donc cette enveloppe de 5 000 $ qu'on a pour bonifier les certificats a une limite, évidemment. Donc il ne faudra pas attendre trop longtemps. Alors la bonification est divisée probablement par trois. Exactement, exactement. Donc, OK. je n'ai pas les pourcentages exacts, mais c'est grâce à ces trois partenaires-là qu'on peut bonifier nos certificats cadeaux. D'accord. Il y a une vidéo Oui. qui a été faite en fonction de ça. On va l'écouter si vous n'avez pas d'objection. Bien, super, bonne écoute. Héritage Centre-Ville est fier de soutenir le développement économique de sa communauté. En collaboration avec la ville de Thetford Mines, nous revenons cette année avec la campagne En plein cœur de Thetford version 2.0. La ville de Thetford est fière d'appuyer le projet d'héritage Centre-Ville. Les 2 dernières années ont été plutôt rocambolesques et les commerçants du cœur de votre ville ont grandement besoin de vous. De plus, à part l'achat des certificats cadeaux, bien, vous êtes aussi gagnant parce que le montant des certificats cadeaux va être bonifié. Alors, on vous invite à acheter les certificats cadeaux. Bien sûr, ça va vous permettre d'économiser, mais surtout d'encourager les entrepreneurs et les entreprises d'ici. On vous remercie d'investir dans notre centre-ville en plein cœur de Thetford. Contribuez à maintenir la vitalité des commerces du centre-ville de Thetford. Achetez une carte cadeau de 20 $ et recevez 30 $ à dépenser dans votre commerce favori. Au total, c'est plus de 15 000 $ qui seront investis dans l'économie du centre-ville de Thetford. Pour acheter vos cartes cadeaux, visitez la page de la campagne au www.héritagecentreville.com. Alors, c'est l'occasion de vous gâter, vous et vos proches. Soyez en plein cœur de Thetford. C'est une firme locale qui a fait cette vidéo-là? Ah ben en fait, c'est encore là des partenariats. Hein, à Héritage Centre-Ville, on cherche toujours à travailler avec les gens qui nous entourent. Donc, c'est la Chambre de commerce là, qui nous a offert là, ce bref vidéo-là, qui était conditionnel aussi à la campagne d'achat, donc via la ruche. Ça nous permet de partager l'information efficacement sur les médias sociaux. C'est une vidéo que les gens vont revoir aussi quand ils vont se diriger sur le site d'Héritage Centre-Ville, donc héritagecentreville.com, et quand ils vont apparaître aussi sur la campagne de la ruche, donc le site de OK. Desjardins. La ruche, c'est quel genre d'organisme? Bien, en fait, je ne suis pas l'expert de ça, mais c'est un peu comme une extension de sociofinancement de Desjardins. Donc, c'est une OK. plateforme en ligne qui existe pour aider donc, des organismes ou même à la limite des individus ou des municipalités qui souhaitent financer un projet par l'entremise donc, de la communauté. Donc, c'est une plateforme de sociofinancement. Donc, ils sont très ouverts aux projets de développement. Puis, ça vient d'une enveloppe là, donc, de Desjardins là, au niveau des projets structurants. OK. Ça, pour stimuler l'économie, entre autres. Dans le cas de cette campagne-là, c'est le but visé.
Exactement. Donc, que les gens viennent acheter au centre-ville. C'est quels commerces qui sont participants? Bien, on a donc plus de presque 20 commerces qui sont inscrits. C'est une des grosses différences de la campagne de l'année dernière où on était vraiment en collaboration avec la Chambre de commerce. Donc, il y avait des commerçants de l'ensemble du territoire de la ville. Cette année, on est vraiment sur le territoire donc, du centre-ville. Donc, on a, par exemple, là, la boutique Bon Pied Bon Oeil, que vous avez vu dans la vidéo, la boutique Essence, qui est nouvellement installée dans le centre-ville, mais qui participe aussi. On a bien évidemment les Halles de l'alimentation ou la microbrasserie des Halles. Donc, vraiment, on parle de commerce de détail. Une vingtaine de commerces. Et quand les gens vont arriver sur le site de la ruche, bien, de la manière qu'on procède, c'est que vous allez avoir la liste des commerces et vous allez pouvoir simplement cocher, donc choisir. J'en voudrais, par exemple, un certificat de 20 $ chez Lorenzo. Et j'en prendrais un chez Optométrie Gravel ou j'en prendrais un au bistrot. Ou okay. À la porte d'à côté, puis on paie dans un ensemble, donc une facture. Ça assure le rayonnement de chacun des commerces, sauf que quand tu fais ton achat, tu ne peux pas dire « je vais acheter ma carte, mais je vais aller où est-ce que je veux aller ». Non, c'est ça. C'est pas un passeport, parce qu'on voulait éviter le terme. Là. C'est pas très à la mode ces temps-ci. Non, c'est vraiment un certificat qui va être acheté dans le commerce de son choix. Et évidemment, le certificat cadeau ne vous sera pas expédié automatiquement. C'est à la fin de la campagne, donc à partir du 1er mars, nous, on va aviser les commerçants d'émettre des certificats cadeaux. Donc, cette Lacoui va recevoir sa liste, va dire « je prépare tous les certificats cadeaux ». Et à ce moment-là, tous ceux et celles qui ont acheté des certificats vont être avisés qu'ils vont pouvoir se présenter dans le commerce de leur choix pour recevoir leur certificat cadeau aussi. Donc, ça simplifie moins de manutention, là, moins de paperasse. Si moi, j'achète... 3 ou 4, mettons, ou 5 certificats cadeaux, faut que j'aille dans le même commerce ou je peux avoir 5 commerces différents? Ah, ça peut être 5 commerces différents. Quelqu'un qui, par exemple, est habitué puis va régulièrement à la porte de ta côté, ben va se présenter, aller chercher son certificat cadeau, puis si du même coup, ben, il vient manger, ben, va pouvoir l'utiliser sur place. Quelqu'un qui voulait l'offrir en cadeau, ben, va pouvoir se présenter, aller le récupérer pour après ça l'offrir à sa douce ou à son voisin. Donc, on peut l'offrir aussi en cadeau. On n'est pas obligé de le consommer sur place au moment de la réception. Et 20 commerces, 500 certificats cadeaux, ça ne fait pas beaucoup. Ça peut être bonifié ou ça ne peut pas l'être, là? Il est trop tard? Il est un peu trop tard, mais... Je dirais que le but, présentement, c'est les partenaires qu'on a réussi à aller chercher puis les sous qu'on a eus. Évidemment, si on se rend compte que c'est une campagne qui fonctionne très bien, il n'y a rien qui nous empêcherait de revenir là, annuellement là, avec ce même principe de stimulation économique. D'une manière ou d'une autre, on invite les gens à venir quand même encourager les commerçants à l'année, même s'il n'y a pas cette bonification-là, parce que la bonification, bien, c'est de passer dans le centre-ville, d'apprécier les nouveautés, les nouveaux commerces qui s'y installent aussi. Donc ça, on le rappelle aux gens. Mais c'est sûr que pour la campagne 2.0 dans plein cœur, on a une limite. On a 5 000 $ à redonner donc aux gens. Passer cette limite-là, bien, ça sera meilleure chance la prochaine fois. Puis c'est pour ça que je rappelle aux gens de ne pas trop tarder, parce que rendu à Saint-Valentin, c'est comme faire un cadeau à sa douce, il va être trop tard. Ouais. Mais c'est un plus quand même, cette campagne-là, de campagne d'achat local. Puis on sait qu'Héritage Centre-Ville, c'est sa mission. Oui. Alors, il y aura beaucoup d'autres activités. Donc, la prochaine, ça va être cabane à sucre en ville? Bien, oui, idéalement. En principe. Mais je peux vous l'annoncer tout de suite. On ne tiendra pas cette cabane à sucre urbaine comme on le fait début avril. Parce que, évidemment, c'est de la préparation, c'est beaucoup de temps et d'énergie. On ne peut pas prendre nécessairement le risque. Sans savoir. Sans savoir. Et même si la santé publique nous autorisait, par exemple, à tenir l'événement pour 500 personnes, on ne veut pas avoir à revirer 1000 personnes. Parce qu'il faut rappeler que traditionnellement, c'est 3000 personnes qui passaient dans la journée. C'est ça, c'est une bonne participation. Exactement. T'as espéré que cette pandémie-là. Elle va finir par finir. Exactement. Alors, un gros merci, M. Poulin, puis j'espère plaisir. Que votre campagne, j'en doute pas, va fonctionner plein régime. Merci. Mesdames, messieurs, dépêchez-vous, comme il dit. Vous pouvez aller sur le site, vous avez déjà les coordonnées, et la bonification est de 10 $. C'est quand même intéressant pour des achats qu'on prévoyait
de toute façon faire. Alors, merci beaucoup de votre écoute et à la semaine prochaine.